Notre meilleur ami sort avec un égoïste. Ma gardienne vit avec un con. Ma cousine vit avec une burbe. Mon nom est Alex Lippi et je suis briseur de couple professionnel. Voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari. C'est pour venir en aide à toutes ces femmes que nous existons. Moi, je voudrais poser une question à Vanessa. C'est la première fois que vous jouez dans une comédie romantique. Est-ce que vous avez d'abord aimé jouer dans une comédie romantique et deuxièmement, est-ce que vous avez pensé à Grace Kelly quand vous avez interprété ce rôle? Parce qu'il y a quelque chose dans le look, le côté volcan sous la glace. On a passé la moitié du tournage à Monaco et on a rencontré le prince. Donc oui, elle était, le premier jour. Hein. Elle était présente, enfin, elle était... C'est vrai. Moi, j'avais plus parlé de Catherine Hepburn à Vanessa pour l'énergie, pour le jeu, pour quelque chose de côté très, très décidé. Par contre, quand vous parlez du feu sous la glace en citant Grace Kelly, oui, c'est une bonne référence quand même, c'est pas mal. Ça vous a séduit d'emblée dans le scénario de changer de registre? Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a fait évoluer chacun. Enfin, Pascal, nous ayant choisi, enfin, avec cette envie de nous faire travailler Vanessa et moi, j'ai l'impression qu'il était aussi ouvert dans ce choix-là, à nous entendre, à nous écouter, à savoir ce qu'on allait penser de telle ou telle situation, ou vers où on voulait, nous, personnellement, en tant que comédien, amener plus ce film, etc. Donc il y a eu tout un procédé comme ça d'évolution du scénario, et moi, c'est comme ça que j'aime faire du cinéma. Je double ce que mon père vous donne et vous me laissez tranquille. Elle s'est tirée ! Merde ! C'est pas ta mère, là-haut ? Alors, elle a succombé au charme de son garde du corps ? J'y travaille. On se débarrasse pas de moi comme ça. Ça va être très difficile. Difficile, ouais. C'est une chieuse. Mais soit on va lui faire cool l'air conditionné. Enfin, une comédie romantique bien foutue, française. Quand on sort avec le cœur assez léger, l'esprit assez aérien, et puis surtout subjugué par le charme de ce duo improbable qui est Romain Duris et Vanessa Paradis, voilà, dans une comédie romantique qu'on ne les attendait pas forcément. Grand coup de chapeau déjà au réalisateur et puis aux comédiens, et spécialement au second rôle aussi, quoi, François Damiens et Julie Ferrier, excellentissime. Bonjour, madame. Attends, c'est quoi cette histoire? Il y a une perruque en sortant? Non. C'est toi qui lui as demandé de boiter? Non. Elle s'est mise en haut toute seule, impossible de l'arrêter. Pas de problème, madame, je vais parler de tout. C'est quoi cet accent? Un moins de fatigue. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Honnêtement, comment vous avez fait pour les avoir? J'ai pensé à eux, voilà, parce que c'était presque une évidence. On cherchait un couple différent, un couple qu'on n'avait pas vu ensemble dans un film français et surtout dans une comédie romantique. Et voilà, ils se sont imposés l'un et l'autre. Et ensuite, bah, on a eu la chance, on leur a proposé le scénario et les deux ont écrit le scénario. Ils m'ont rencontré, on ne pouvait pas trop déjà être là. Et voilà, ça s'est fait facilement, comme dans un rêve. C'est qui cette fille? Son amie d'enfance, elle l'a pas vue depuis 10 ans. Ça va? Ça fait 3 jours que j'ai pas baisé, j'étais fourmi dans la chatte. Y'a l'autre info dans ma chambre, elle va tout faire foirer. J'en sais rien, trouve un moyen. T'es un malade? Tu m'as dit, tous les moyens sont bons, faut savoir ce que tu veux. Hein. Super. Super, fantastique. Magnifique, très bon ça moment. Ça fait très longtemps que j'ai pas rigolé sur un film. Ah, c'était très agréable, c'est un très bon moment. Une très bonne comédie, avec des bons acteurs, un bon scénario. Ouais. C'était très, très... On a passé un très bon moment. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça pour des mères de famille. Franchement, excellent. Elle était super, ouais. Franchement, super. Vraiment une bonne comédie, on rigole beaucoup et puis c'est très, très émouvant également. J'avoue, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu d'aussi bons films en fait dans ce genre-là. On a rigolé du début jusqu'à la fin. C'est... Et on a un peu pleuré à la fin aussi. On a pleuré aussi, ouais. Ce film, moi je le compare comme à du champagne. C'est pétillant, rafraîchissant. Voilà. C'est une bonne comédie et je la conseille à tout le monde. C'est un mélange d'histoires d'amour, de suspense entre les personnages. On ne sait pas vraiment leur caractère au début. Ensuite, on les connaît un peu plus, mais un peu moins en même temps. C'est vraiment bien, franchement, j'avoue.
I am the bodyguard. Great, thanks.